سمحت الرئيس ميغيل دياز كانيل برميدس رئيس جمهورية كوبا الغالية علينا أرحب بكم من جديد وبالوفد المرافق لكم في الجزائر التي تجمعها علاقات صداقة وتضامن تاريخية مع بلدكم الصديق علاقات تغدى بقيم الحرية والسلم والعدالة التي نتقاسمها وأنا على يقين بأن الزيارة هذه تشكل مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الذي مع الأسف انقطع منذ 2019 أجدد لكم فخامة الرئيس تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه بلده منذ أكثر من 60 سنة انطلاقا من إيماننا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ومن القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى رفع هذا الحصار. لقد كانت بيننا مشاورات ثرية إذا أمكن ألخصها في بعض النقاط مش كل النقاط لأن الجزائر تشعر بواجب إزاء جمهورية كوبا صديقة وأكاد أقول شقيقة تجمعنا علاقات في الماضي والحاضر وسنبني مستقبل معا إن شاء الله ولذا تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا نلغي كل الفوائد للمديونية وسنؤجل المديونية إلى حين كذلك الجزائر تهدي إلى شقيقة كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية نوفر الجيري أوفر كوبا يو سنترال إلكتريك فوتوفولتايك بور لافان كابيتال دو كوبا كذلك نعيد تمويل ما انقطع بالمحروقات لنسمح جمهورية كوبا لإعادة تفعيل محطات توليد الكهرباء ومحاربة الانقطاعات الحالية في الكهرباء اتفقنا كذلك على صناعة الأدوية معا اتفقنا على إنشاء عدد لازم بالنسبة للشركات المختلطة كوبية نمشي معا في كذلك صناعة تلقيح بالنسبة للأمراض الإفريقية وغير الإفريقية تبادل شباب تبادل التعليم العالي تبادل تجاري كما التزمت مع فخامة الرئيس أن في بداية السنة المقبلة إن شاء الله 2023 مع اجتماع اللجنة المختلطة في لافان في كوبا سترافق اللجنة الجزائرية عدد تاع 100 ولا 150 مستثمر جزائري يشوفوا يعني الشيء اللي ممكن يقوموا به في كوبا صديقه واكاد ان نقول شقيقه. مره اخرى فخامه الرئيس والوفد ارحب بكم في بلدكم. اتمنى لكم عوده ميمونه ان شاء الله. السلام عليكم. Muchas gracias, querido presidente Tebboune. Por sus palabras y además por todos los acuerdos a los que hemos llegado. Yo quería explicar cuando estamos haciendo estas declaraciones ante la prensa argelina
y la prensa cubana de esta visita a la hermana República Argelina Democrática y Popular era un viejo anhelo. C'était un vieux rêve par de différentes raisons. La première raison, c'est de connaître dans sa propre vie au peuple héroïque algérien et renforcer les liens avec sa direction actuelle sur la base des liens d'amitié, fraternité et solidarité qu'au cours de plus de 60 ans ont établi et mené nos peuples et gouvernements. D'autre part, nous voudrions exprimer au gouvernement et au peuple algérien que la génération actuelle des Cubains, qui par des processus naturels commence à occuper les postes plus hauts au sein de l'État et du gouvernement cubain, elle se considère comme une génération de continuité de la révolution cubaine. Cela inclut dans ce concept, dans ce propos, dans cette valeur partagée, bien sûr, notre aide, notre solidarité et soutien invariable au gouvernement et au peuple algérien. Je voudrais que vous connaissiez ça de la façon la plus directe possible. Cette visite se tient, et cela a une énorme signification lors de l'année que nous arrivons au 60e anniversaire de l'établissement des relations entre nos deux pays. Cuba était le premier pays à l'Amérique latine qui a reconnu la République algérienne démocratique et populaire. Dès le moment de sa création. Et après cela, il y a toute une histoire d'événements, d'échanges, de collaborations qui a renforcé nos liens. Cette rêve est devenue réalité et pendant les peu d'heures que nous avons ici, nous éprouvons un sentiment et une émotion énorme. Nous avons reçu la chaleur, le soutien, les sentiments d'amitié et solidarité du peuple algérien et aussi de ses principaux leaders, en particulier de vous, Monsieur le Président. Nous voudrions remercier Monsieur le Président pour son accueil chaleureux et pour la possibilité d'échanger de façon directe et ouverte des aspects de l'agenda bilatéral et international. Aujourd'hui, que c'est l'anniversaire du président, et nous avons déjà félicité au cours du tête-à-tête, et nous avons partagé un peu avec la délégation. Nous voudrions, au nom du peuple et du gouvernement cubain et dans mon nom propre, transmettre cette félicitation et vous souhaiter beaucoup de santé et une longue vie. C'est une grande satisfaction pour nous de mener cette visite. Nous avons commencé les conversations officielles sur la base de l'émotion parce qu'avant, nous avons visité le musée des combattants où nous avons fait hommage aux combattants, aux martyrs du peuple héroïque algérien et nous avons pu comprendre mieux l'héritage. Cuba et l'Algérie, ce sont des peuples qui sont un modèle, un exemple de relation. Ce n'est pas une relation quelconque, c'est une relation de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel au cours des moments les plus difficiles. Il y a un fait très important lié avec l'Algérie. En 1963, pour la première fois, Cuba a envoyé une brigade des médecins pour coopérer avec un peuple frère. Et c'était à partir de ce moment que la collaboration cubaine avec d'autres pays du monde est née, pour le dire. Alors ici a été semé cet esprit de coopération internationaliste dans le domaine de la santé. Presque 60 ans après, il y a des coopérants cubains en Algérie
et nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement du système de la santé de ce pays frère. Il y a plus de 800 spécialistes cubains dans le domaine de la santé qui prêtent service à 10 wilayas algériennes. Je voudrais aussi souligner que notre présence en Algérie, c'est un témoignage de l'importance que nous donnons au développement de relations bilatérales et à la fois réaffirme notre volonté de continuer à la fraternité qui a été établie par les leaders historiques des deux nations. Nous avons constaté l'état excellent de nos relations politiques et notre coïncidence dans les organisations internationales et aussi à propos des sujets de l'agenda international. Nous avons accordé de stimuler les liens économiques, commerciaux et financiers et les mettre au même niveau de la relation politique. Nous avons identifié des projets qui a annoncé le président algérien et je ne vais pas les répéter, mais sans doute ce sont des sphères très importantes dans lesquelles on va travailler ensemble. Elles vont apporter un bénéfice mutuel et cela signifie pour notre pays un soutien important. Cela est un témoignage de la compréhension du gouvernement algérien de la situation présente à Cuba. Nous avons identifié des domaines tels que la santé, l'énergie, les énergies renouvelables, les échanges culturels, scientifiques, éducationnels, technologiques, comme celles qui ont le plus d'avenir. Nous avons parlé aussi de travail ensemble pour la production de sucre ici en Algérie. Et comme Monsieur le Président, M. Tebboune l'a dit, nous avons évalué la possibilité de rééchelonner la dette de Cuba auprès de l'Algérie. Il y a beaucoup de raisons pour être très satisfait, mais je disais lors de la rencontre que plus que satisfait, nous sommes très attachés, très engagés avec la cause algérienne, avec le gouvernement et le peuple algérien, et l'Algérie peut avoir la sûreté, nous avons le ratifié, qu'elle pourra compter toujours avec le soutien du gouvernement et du peuple cubain. Merci pour toutes les attentions. Merci, Monsieur le Président. Pour conclure cette heureuse journée, je vous demande d'être, de porter notre message. Risala, risalat aman, wa risalat akhouwa, wa risalat sadaqa, et le chab al-Koubi. Ou bien, akhassi le chabib al-Koubiya, chabab al-Koubi, le chihm al-Mash'al al-Jadid, wa tahiyyatna khalisa, شعباً حكومة ورئيساً إلى سيادة راول كاسترو وشكراً على هذه الزيارة. راول كاسترو، y gracias por su visita. Llevaremos su salud. On va transmettre vos salutations.